Yop les poules, c'est la MFHR qui aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors tout d'abord je vais vous juste vous dire quelque chose, c'est que je suis désolé si hier je n'ai pas pu faire de vidéo. Ce matin j'ai lancé le Let's Play Clash of Clans numéro 3. J'espère que en tout cas ce Let's Play vous plaît. Dites-moi dans les commentaires sur cette vidéo, enfin sur la vidéo du Let's Play, dites-moi en commentaire au passage si ça vous plaît. Voilà. Sinon, on se retrouve sur Hearthstone, voilà, donc on va faire une game au paladin. Parce que j'avais envie de faire une game au paladin, tout simplement. Ouais, donc, comme vous pouvez pas le voir, mais j'allais dire comme vous le voyez, mais non, en fait, juste en dessous là, ici là, vous pouvez pas le voir, mais j'ai c'est l'or en fait, et j'ai 90 or pour l'instant. Donc, en fait, ça va être un peu le suspense, pour ça, je le montre pas. Ça va être un peu le suspense au fur et à mesure des vidéos. Sur Hearthstone, je vous dirai combien j'ai d'or. Et je ferai un gros pack opening des cartes. Voilà, donc on attend que ça lance. Ça peut être sympa déjà. Hop là. Contre. Voleur. Ok, on joue contre une voleur. Donc ça, c'est pas super gênant, on va dire. Loin de là même. Il faut juste que. Voilà, j'ai mis des grosses cartes. Là, il me faut vraiment des petites cartes pour pouvoir jouer. Au début, ouais, donc là j'ai une 2, ça peut passer. Le truc c'est que j'ai pas de. Comment ça s'appelle? J'ai pas de pièce. C'est l'adversaire qui en potentiellement a une avance sur moi là maintenant. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de la gagner quand même. De toute façon, c'est pas un. C'est une vidéo un peu. En live, un peu. C'est un live commentary, on va dire. Parce que c'est vrai que à la base, enfin. Moi je peux rien faire là par exemple. Donc c'est vraiment à lui de. Enfin, je veux dire. C'est vraiment à lui. Non, c'est juste qu'en fait, c'est un live commentary. Donc, je ne sais vraiment pas si je vais gagner, si je vais perdre, etc. etc. Donc, là, voilà, il m'attaque avec son sanglier. Là. Sanglier, voilà, ok. Donc, maintenant, moi, je peux mettre une provocation. Je passe mon tour. Il va devoir m'attaquer, obligé s'il veut m'attaquer. Provocation, je rappelle, on est obligé d'attaquer cette carte en priorité. On ne peut pas attaquer mon héros ou s'il y avait une autre carte, on ne pourrait pas l'attaquer. Voilà. Donc, là, on va faire. Non, je crois que c'est. Non, tac, tac, tac. Ah non, c'est tac, tac, tac. Non, merde, tac, tac, tac. Voilà. Oh, ok, donc là, il a joué que des grosses cartes pour m'éliminer. On s'en fout. Nous, on est bêtes comme ça. Ok, donc il a joué une. Ah oui, ok, il a une. Ok, il a une arme qui enlève un dégât. C'est pas grave du tout, ne vous inquiétez pas. Ok, lui met ça. ouais, ok. Ah, ça m'énerve un peu par contre. Toute façon, il va être obligé de m'attaquer. Ah ouais, mais remarque, il a son arme. Ah, c'est très très mauvais ça. Je sais pas s'il peut m'attaquer quand j'ai une provocation. Ouais, bah écoute. Apparemment. Bon. On commence à se faire défoncer un peu littéralement, on va dire. Mais ce n'est pas grave. Vous savez que on est toujours présent. J'aime vraiment cette carte et j'ai horreur de tomber sur cette carte. Enfin, sur une provocation, en fait, j'aime pas les gens qui jouent provocation. Moi, j'aime bien jouer avec provocation. Voilà. Lui c'est un mec qui joue full provoque. Moi, je suis pas non plus full provoque. Même si j'aime bien jouer provoque, je suis pas non plus full provoque, mais bon, c'est pas très grave. Je ne passerai pas. donc on va. Checker ça, ouais, allez, commande. Pour la gloire. Donc là, s'il est pas. S'il est intelligent, il va m'attaquer cette écarte. Mais bon, c'est pas très grave parce que moi j'ai quand même. Non, voilà, bon ça c'est un mec qui joue full, full, full. Bon, il est très con, mais bon. Ça me dérange pas, j'ai envie de dire. Ok, donc là j'ai un 7-7, Golem. Je pense qu'on peut remonter parce que s'il arrive, de toute façon il n'arrivera pas à détruire mon Golem. Il est obligé de m'attaquer. Enfin, je pense pas qu'il puisse se détruire. Après, je sais pas s'il a des cartes encore. Mais après, je peux mettre.
Ouais, je peux mettre le champion du hurlement, ou alors. Ouais, je sais pas. Soit je mets le berserker, là, je sais pas quoi. Moi, je vais appeler le lion un peu. Là. Mais en fait, il est où? Enfin, je vois pas trop comment il est. Ah, ok, le violent, berserker. Ok. J'ai même pas passé le tour. Moi, je vous fais le pari qu'il va pas pouvoir me détruire le golem. On va voir de toute façon. J'aime beaucoup aussi sur ce jeu les tout ce qu'il y a sur la carte en fait, ce qu'on peut faire. Par exemple, lui on peut lui bouger la tête. Comment ça il a pas de main? Ah, on peut bouger ça aussi, non? Voilà. Ouais, je sais pas. Bref. Ok. Bon, bah je me suis gouré. Il va réussir à me niquer. Ok, 3, 1. Il va être obligé de m'attaquer. Ah non, ah non, non, non. Ok, non, mais je kiffe. Je kiffe ce mec. Ah, franchement, je kiffe ce mec. Ok. Voilà. Bah, j'ai plus rien. Et là, je lui décalote les fesses. Un 7 points, ça fait très très mal hein, quand même. Moi, je vous conseille de. Quand vous avez un 7 points, d'essayer de vraiment. Détruire si la carte provocation s'il y en a une parce que franchement le 7 points qu'est-ce qui fait mal franchement c'est vraiment abusé je trouve ça fait très très mal donc là il a mis une provocation donc ça m'embête un petit peu que je pourrais pas l'attaquer avec ça à part quand j'aurais mis eh ben si je pourrais s'il me reste pas de toute façon une carte ok j'ai horreur de cette carte ça m'énerve énormément ok bon il en a une. Il prend du 1 point. Ouais, c'est un peu nul, on va dire. Tu m'excuseras, mais. Gros, c'est un peu nul à chier. Non, on va mettre ça après. On va mettre. On va mettre champion du hurlement après. Car pour l'instant, on n'en a pas besoin. On met très cher, en tout cas. Donc, j'aime beaucoup ce jeu. Pour ceux qui voient, je fais pas mal de vidéos dessus. Vous inquiétez pas, je continue les vidéos sur Jungle. C'est vrai que. Cette semaine, j'en ai pas fait une sur Jungle, donc c'est ça peut embêter mes abonnés, je comprends totalement en fait, hein, mais bon, c'est vrai que ça me permet de changer un peu de jeu. Déjà que sur BO3, pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo, ma deuxième chaîne, la vidéo sur ma deuxième chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, Ticker Gaming. Voilà, donc allez voir la vidéo, le lien est dans la description de mon ancienne vidéo, de toute façon. Donc voilà, vous avez juste à jeter un petit coup d'œil, puis voilà. Donc, ouais, voilà. On plaît. Donc, quand tu veux, tu es tac, s'il te plaît. Ok, j'ai horreur de cette carte. Ok, bon. Il a très bien joué, je trouve. Très, très bien joué. J'aime beaucoup son jeu par contre à lui. C'est vrai que c'est quand même pas mal. Donc tac. Non mais on a des mecs comme ça. Hop là. On met un truc. Un kilo. Voilà. Et puis je pense qu'on va bientôt gagner hein. De toute façon. Je pense qu'on a gagné tout simplement. Donc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi encore en commentaire si ça vous plaît, parce que c'est vrai que je suis pas trop, je sais pas trop si ça vous plaît à chaque fois. Mais je pense que ça vous plaît. Merci. Allez. Ok. Très bien, ça va. Par contre, le jeu lag un petit peu, je pense, parce que je rake en même temps. Ok. Donc on a avancé sur tous les, sur deux trucs, je pense. On va voir ça de toute façon. Voilà. Donc, c'était le Fachar. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et puis, partager la vidéo aussi. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Du RT. Voilà. Donc, c'était le Fachar.